Allez, on y retourne, comme d'habitude, on fait la suite. Ici. Ok. J'ai pas trop fait cette catégorie, je crois, hein. Ça pourrait être bien que je change. Une petite Stratos, ça pourrait être pas dégueu. J'ai gagné une peinture ou pas? Oui. Magnifique. Magnifique. Par contre, au niveau. On va prendre une Stratos, ouais. On va prendre une Stratos. Ça donne quoi? 10 sur 15? Oh la vache, qu'est-ce que c'est long! Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai même pas fait la moitié. Je viens de me taper deux fois la carrière. Difficile et très difficile. C'est incroyable. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est impressionnant. Une petite Stratos. Allez, une petite Stratos. Et on va la mettre en bien dégueulasse. Ça va être parfait. Ça n'avance vraiment pas. Ces sponsors, c'est catastrophique, je trouve. Catastrophique. Ok, c'est parti. D'habitude, ça cheat à mort. On est habitué, hein, à ne pas faire le choquer. Hein. Ouf. Rug au coup. The fuck? Je veux bien que t'arrêtes de prendre tous les extérieurs. Ah oui, puis bien sûr l'autre il monte dessus, oui d'accord. Tranquillou. Elle est hyper rigide dans la maniabilité, c'est incroyable. J'ai pas de sensation. Zéro sensation. Sensation inexistante. Vitesse, freinage, direction, y a rien. Y a rien, y a rien, y a rien. IA aussi, l'IA qui ne réagit absolument pas comme nous. C'est impossible quand l'IA elle fait ce qu'elle veut de faire le même type de parcours. Tu comprends pas en fait, t'as l'impression de pas jouer au même jeu que l'IA et c'est pas possible quoi.
Mais bien sûr. Je prends un virage en drift à la corde, l'autre il arrive, boum, il me percute à 90 degrés. Tout va bien. Pas de soucis particuliers à signaler. Superbe cette peinture, superbe. Une œuvre d'art. Ah bon, d'accord. Ça passe. Tu m'entends presque pas? Hein, c'est peut-être le micro qui déconne ou qui est trop loin. Pourtant, j'ai fait en sorte de faire ça bien, mais... Je parle pas fort non plus, toujours. T'as changé de couleur, toi. T'es passé de rouge à bleu. Ouais, niveau 11, super. Bon, comme prévu, hein, y a plein de gens qui disent que Cyberpunk c'est un pétard mouillé, mais bon. Enfin, en exagérant le trait, mais. Il y en a quand même plein qui disent l'empêche, il y a beaucoup de bugs, hein. Tout le monde leur met des 17, des 10 sur 10, des. C'est aberrant. Aberrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soit cette catégorie-là. On l'a pas fait trop, là. Si, là, on l'a fait quand même, la catégorie RX. Hein. Si, on l'a fait quand même. Kitsub? Ah, on n'a pas la monster toujours. Par contre, on a celle-là, je crois qu'on l'a débloquée à la fin. Ah, les petites soubes. Petites soubes, ça changera. Tu changes un peu. Et tu joues à quoi pour changer un peu? Tu fais du Call of? Ou t'as osé retourner sur Snow? J'ai pas trop vu ton profil. Peut-être ça, on verra plus tard. Allez, c'est parti. Oh là là. Alors déjà que je roule mal, mais alors avec des IA qui foncent dans tous les murs. Bon, sinon moi je tourne pas hein, les gars. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je tourne pas. Ah, ça c'est pas prévu. C'était pas prévu ça. Putain, fais chier.
J'ai tellement pas de sensation de contrôler ma putain de bagnole. Je joue sur Netflix. Tu joues? Ah, ça fait plaisir ça. Ah, ça fait plaisir ça. Les... Ça marche pas terrible. Ça marche pas terrible du tout. C'était joli ça. Ça va pas durer, mais c'était joli. Elle veut pas, hein. Elle patine que quand elle a envie, cette caisse. Ouais, vas-y, prends l'intérieur, fond de cale, vas-y. Vas-y, t'emmerdes pas avec moi. Surtout ne braque pas. Hein. C'est en option, je sais. Ah, c'est plus la soupe qui est derrière? Oui, oui, bien sûr, oui. Là, pour une fois, elle a drifté. Ouais, ouais, non, mais moi... À fond les taquets pendant 25 années, l'autre, ça passe nickel, hein. Pourtant je relâche. Je joue sur Netflix pour le moment. Bah oui, non, mais comment tu fais pour jouer sur Netflix? Il y a des jeux dessus. Ils avaient rajouté des trucs, je crois, mais il me semblait que c'était pas encore fait. À moins que tu veuilles dire que tu te promènes sur Netflix. Mais bien sûr que ça passe pas, tu m'étonnes que ça passe pas, ça ne passe jamais parce qu'on n'a aucune sensation de conduite avec ce jeu, aucune. Aucune sensation quand ça grippe, quand ça drift. Là, il y a plus d'accélération. L'autre, il est parti comme si on était à deux à l'heure. Ah bah lui aussi. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais une voiture de la même catégorie que vous, excusez-moi. Ouais, non, allez. Ouais, juste vous faire foutre. Excusez-moi, je ramasse ma souris.
Je ramasse ma souris, j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul. Je voulais pas drifter, hein. Ah ouais, mais elle tourne pas, donc tu driftes ou tu tournes? Ou tu tournes pas, je veux dire. Tu choisis. Quelle merde tu préfères? Tu as le choix. Tu as le choix, au moins, on te le laisse. Juste sur Netflix, il n'y a pas de jeu, ça veut dire que je mate ma série. D'accord. J'ai fini Scorpion, là, tiens. J'ai pas l'impression d'être bien rapide en faisant ça. Je les vois à moitié rentrer dans les murs et me rattraper quand même. Sans aucune honte, bien entendu. Ouais, mais je les vois pas les virages, tu veux. J'ai des phares, mais ils éclairent pas. J'ai oublié de mettre les ampoules, je pense. D'accord.
Ouais, j'entends à moitié ce que tu dis. Bah, pourtant, je parle bien, sauf quand le micro se casse la gueule, mais. Tant que ce rageux est présent, ouais, bon. Vu que tu me demandes à quoi je joue pour le délire, je t'ai répondu, d'accord. Non, mais il devait mettre des jeux interactifs, je crois, sur Netflix aussi. Je savais pas si ça s'était fait ou pas. Oh, c'est bien ça. Deux niveaux d'un coup. Bon, ça avance pas beaucoup, mais bon. Enfin, ça avance toujours plus que d'hab, mais. Pas énorme. Alors, on est à deux courses de fête. Oh. What the fuck? Je peux savoir pourquoi elle est verrouillée? Microsoft Store, je te demande pardon. J'ai comme qui dirait la version complète, hein, précommande, mes couilles, tout ça. Et tu me demandes d'aller sur Microsoft Store. Vas-y, fais-moi rigoler. Ah, je peux même pas y aller sur Microsoft Store. Si, ça m'y envoie, ça m'y envoie pas. Si, oui, non, non, oui, non. Si, ça m'y envoie. Et alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Bah, vous l'avez déjà en fait. Ah, vous avez rencontré un problème. Ah. Ah, je me disais aussi. Je me disais aussi. Allez, on va reprendre le Cayenne, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Oui, non, mais j'ai compris que j'en ai rien à foutre. Tire-toi. Tu disais que tu avais fini quelque chose, mais j'ai rien compris. J'ai fini Scorpion. La série Netflix. On en avait parlé pendant un temps. Et qu'ils ont annulé la saison 5, je crois. 5 ou 6. Voilà, plus la suivante, quoi. Ils ont annulé. Bon, c'est peut-être pas plus mal, j'ai envie de dire, à des moments. Allez, c'est parti. Tu connais la seconde, le Porsche? Ils font pas de seconde chez Porsche. Juste une troisième de merde. Est-ce qu'il faut que je mette les vitesses automatiques pour accélérer un peu là parce que. Je vais me faire latter par les Twingo là. D'accord, vous êtes déjà parti au. D'accord, non, excusez-moi, excusez-moi, j'ai cru que j'avais une chance de vous rattraper. Les mecs sont déjà deux virages plus loin, ils ont même pas freiné. Même pas freiné, tout va bien. Tout va bien, l'IA cheatée est présente, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin de rien, je vous contacte tout de suite, on est d'accord. Donne-moi ça, les 4x4 ils me grugent comme si j'étais à l'arrêt. C'est incroyable. En quatrième à 80, mec. Mec, avec ma C3 en quatrième à 80, si je faisais la course, j'oserais pas, quoi.
J'oserais pas. J'aurais peur de caler, quoi. Tu crois pas qu'en Porsche... En Porsche, il faudrait peut-être pas être un petit peu en dessous pour être un petit peu en sur-régime pour envoyer un peu plus de pâté? Non? Je sais pas. Sur la Terre, je sais pas si c'est très conseillé, mais bon. Je pense qu'être en sous-régime ou en sur-régime, quand on fait une course avec un véhicule comme ça, il vaut mettre en sur-régime. Mais bon. C'est intéressant d'avoir des véhicules que tu peux pas gagner avec. Hein. C'est intéressant. Voilà. Je suis à la masse. J'ai un véhicule qui est trop mauvais. Excusez-moi, j'ai pris un véhicule qui a été proposé. Hein. Je suis désolé. J'aurais su, j'aurais pris le meilleur du jeu et on n'en parle plus. Hein. Je suis désolé, je... J'avais oublié que ça sert à rien de prendre les véhicules les milieux, voire mauvais. Ça sert à rien. Tu prends les meilleurs ou tu te tais, quoi. Sinon, tu peux pas, voilà, tu peux pas test. Bon, bah, voilà. On va quitter, hein. On va aller vous faire enculer. Parce que là, franchement, c'est inadmissible, ça. Ça s'arrête saison 4 hein, sur un pseudo cliffhanger, genre super. Ouais, c'est vraiment pourri, la fin. Enfin, la fin est intéressante, mais du coup, vu qu'il n'y a rien derrière... Ça fait très bizarre. Ça fait très amer, je trouve. DBX? Allez, DBX. Qu'est-ce que t'as comme couleur déjà? Ouais, les Melee Hollins, on s'en fout. Surtout des pick-up et pas des 4x4. Bah, c'est des 4x4 quand même, hein. C'est des 4 roues motrices déjà. Et puis, le mien est un 4x4, mais... Je crois qu'ils sont tous en 4x4 dans cette catégorie-là. Je peux pas vérifier. Mais... Depuis que l'embargo pour le dernier CD Projekt qui a été levé, j'ai l'impression que tous les sites de tests jeux vidéo postent une variante de ce message. Cyberpunk 2077, sensation de jeu déplaisante, écriture bof, des bugs partout, IA la ramasse, notre avis 19 sur 20. C'est un peu ce que j'ai vu, sauf qu'on peut ramasser des gods partout apparemment, donc ça c'est génial. Là, meilleur jeu au monde. Alors là, tous les véhicules sont en train de me mettre à l'amende, alors que j'ai le meilleur. Voilà. Vous avez des questions? Non, je sais pas, dites-moi. Dites-moi. Tout le monde est en train de m'éclater alors que j'ai le meilleur véhicule, mais... Ça y est, je commence à rattraper un petit peu. Bon. Que je commence à en avoir un peu plein le cul de prendre des véhicules pour me faire latter la tronche. Il y a un moment, ça m'amuse plus, quoi. Ouais, je t'emmerde, toi. Je commence à en avoir un peu marre de prendre les véhicules les moins bons parce que j'ai envie de changer de véhicule et me faire torcher. Il y a un moment, c'est bon, quoi. On va prendre des bons gros véhicules, on va vous déchirer comme on peut, et puis au revoir. Peut-être qu'ils feront un rééquilibrage un jour. Peut-être. On verra. En attendant, il n'y a pas de rééquilibrage. Donc... S'il n'y a pas de rééquilibrage, il n'y a pas de rééquilibrage. Et puis c'est tout. Hein. Fait nuit.
C'était joli le virage merdique que vous avez fait, les gars. Très très joli, le cheat. Le cheat est puissant en vous. En 6ème à 90, ah ouais, t'as pas honte, t'as vraiment pas honte, t'es en course, t'es en 6ème à 90, mec. Ok. Ok. Mec, j'aurais honte de mettre ma 5 à 90 si je faisais une course en C3. Et est-ce qu'avec une Aston Martin, quand même, on peut être un petit peu en sur-régime, non? Ça va aller? C'est quand même très très chaud, je trouve, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Faudrait que je mette les vitesses en manuel. Peut-être que ça irait forcément mieux, mais... Obligé de mettre tous les trucs pour que le véhicule soit pilotable correctement. Arrête de faire des conneries et autres. Allez, c'est terminé. Je parle du Ford 150 qui te mange. Bah, le Ford 150, oui, c'est un pick-up, mais je crois qu'il est 4x4. Hein. Comme je te disais, je crois qu'il n'y a que des 4x4 dans cette catégorie-là. Je sais plus. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Ouais, bientôt niveau 14, c'est bien, je vais avoir fini la saison, le jeu en très difficile. Je vais avoir monté deux sponsors, je crois. Putain, c'est beau. Hein. Oh, c'est beau, bravo, bravo Dirt, bravo, bravo. Deux sponsors sur 15 de montée en très difficile, waouh. C'est très très bien. Et alors, ils étaient tous en... Tiens, bon, c'est la même catégorie. On renchaîne. Oui, ça c'est pas... Ah, le Ford F-150, c'est un propulsion, celui-là. Par contre, pas la version... Ah, ça y est, j'ai le droit de la prendre, maintenant. Ça y est, ils me l'ont rendu. Bon, visiblement, c'est une grosse merde. Pff, ah non, j'ai pas envie de reprendre les véhicules... Allez, vas-y, fais péter le Porsche. J'ai pas envie de prendre le véhicule le plus cheat à chaque fois, ça me... Autant ranger le jeu, quoi. Oh la vache. Non mais c'est quoi tous ces gods dans Cyberpunk? Mais les gars, vous avez pété un plomb. Mais c'est incroyable, ça sert à quoi? Oh les messages, c'est du caviar les messages. Oh la vache. Un peu, mais ça passe. Ok. Il est pas trop fait pour le frein à main, celui-là. Hein. Ouais, pas de soucis.
Bon, bah, cette course-là, la difficulté est pas la même. Hein. Bon, voilà, la difficulté n'est pas la même. La difficulté n'est pas du tout la même. Ça, c'est fait. Ah, presque rien. J'aurais pu changer de logo de sponsor. Ouais, j'ai des stickers avec des flèches. Oh, waouh, waouh. C'est n'importe quoi quand même. Pire, c'est vraiment pas très beau Cyberpunk. Hein. Bon, il manque les patchs, mais. Ouais, avec ce que tu veux faire. T'as le choix, tu veux gagner ou tu veux pas gagner? Bon bah je veux gagner, bah tu prends la Subaru alors. Salut Blacky, cette fois t'arrives pas à la fin. Ça a l'air intéressant votre concept du première place pendant 100 secondes. Sachant que la course ne dure pas ce temps-là, mais. Ça a l'air très intéressant. Je crois que c'est 100 secondes. Je pourrais ralentir autant que je veux si je veux garder la première place, il faut que je sois devant les autres.
c'est n'importe quoi. Regarde-moi ça, faudrait que je reste encore 20 secondes. Allez vous faire voir. Allez juste vous faire voir. 100 secondes, ça fait 1 minute 40 si je dis pas de bêtises. La course d'une 1 minute 40, voilà. Rester en première place pendant 1 minute 40. Voilà. Donc en gros, j'ai 3-4 secondes pour atteindre la première place et la garder après tout le long. Voilà, c'est très intéressant. Très très intéressant. Bon, allez, c'est pas grave, c'est gagné, on s'en tape. Allez, passe. C'est tout. Pff, fais chier. Je peux même pas changer de sponsor. Icebreaker, ça fait quoi déjà? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on est à quoi? On est à 40 minutes de vidéo à peu près. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois? On pourrait tester la BART, mais c'est de la merde. On pourrait tester la BART, c'est de la grosse merde, mais bon. Bon, j'imagine que ouais, la Mazda. Allez, on va retester. On va retester. Je sais pas pourquoi je fais cette connerie, mais on va retester. Oh la vache, les bugs, les bugs, les bugs, les bugs, les bugs. Oh là 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 là. Non mais Cyberpunk, c'est pas possible. L'achetez pas, l'achetez pas. J'avoue que c'est abusé ce défi. Ouais, c'est débile, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, petite mise à jour de l'iPhone. Ah, t'as un iPhone, toi, du coup? Je sais pas. Tu devrais aller voir, je viens de poster une vidéo sur Twitter de Cyberpunk, tu vas avoir tout de suite envie de l'acheter. Bon, il manque la mise à jour Day One, j'imagine, mais franchement... Mais fuyez, les gars, fuyez. Vous pouvez arrêter de vous foutre devant moi? Ça pourrait être pas mal. J'arrive tellement pas, elle tire du cul, mais... Oh là là! Ouais, non, moi je vois la gauche, hein. Voilà, c'est ça par là, c'est ça, exactement, ce côté-là. La Python 8, non t'inquiète, je vais la faire, je vais encore attendre, bah ouais, de toute façon. Jouer à ce jeu-là dans cet état, c'est pas la peine. Tu m'étonnes que Cyberpunk, ils ont mis un truc pour éviter de voir le gameplay tant que le jeu est pas sorti et que le patch Day One, le jeu est tellement à chier quoi. C'est un scan. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Ah excusez-moi. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait pas de trou là exprès pour te. Excusez-moi. C'est ma faute. J'ai cru qu'il y avait un truc. Okay. C'est tellement immonde, mais.
Ça va tranquille, c'est gentil de... Ah d'accord, je... Ah, je rebondis sur le mur. Ah c'est très intéressant, je connaissais pas non plus ça. D'accord, le rebond sur le mur. Non c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Excusez-moi, je savais pas que j'avais la hauteur de Mario. Excusez-moi, là j'avais pas pigé. J'avais pas pigé, là il y a des trucs bizarres qui se passent dans votre gameplay là. Des trucs pourris, pardon, excusez-moi, j'ai confondu bizarre et pourri. Excusez-moi, c'est presque pareil. Ça dépend si on est honnête ou pas. Oui, bien sûr. Oui, oui, vas-y. Prends l'élan, vas-y. Prends l'élan. Je sais pas pourquoi tu zigzagues, hein. Moi je contrebraque. Hein. Je fais des corrections de trajectoire, je fais pas des freins à main ou je sais pas quoi là. Ouais, vas-y, la Stratos, c'est vrai qu'elle est super pilotable. Ouais, non mais. Excusez-moi, ça aussi j'avais oublié, je suis un peu con, j'avais oublié que la Stratos c'était une bonne voiture, excusez-moi. Bien sûr. Ah, excusez-moi, je t'avais pas vu. Excusez-moi. Allez, le dernier. Bon, elle tire du cul, mais elle veut pas drifter, d'accord. C'est une technique. Ah, il y a 5 tours, merde, j'avais pas vu. Ah putain, je suis bigleux. Ça va que j'ai pas abandonné la manette. Salut Namaster.
Je passe au level suivant. Oui, merci. C'est pas la Vazza, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Lancia 037. Qui a une nouvelle livrée. C'était quoi déjà que j'avais, moi? Je sais même plus ce que c'était. On fait aller. On fait aller, Namaster. Alors, c'est quoi le sponsor? J'étais chez qui, moi? J'étais chez Goodyear. Chez qui je pourrais aller? Pit Viper, il y en aurait peut-être un pas mal pour la Mégane. Et puis pour un autre, là. Snap-on, c'est pour la C3. On a la Vazza, mais c'est pour cette bagnole de merde. On a Hoosier, qui est pas trop mal pour deux bagnoles, je crois. Fatless, je crois, est pas trop mal. Donut, il y en a un, mais ouais. Motec, je crois, il y en a un. Allez, on va être Pit Viper, allez. Ah, c'est pas ça que je voulais. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 1, allez, 7. Ah bah tiens, on va pouvoir tester l'Apollo. L'Apollo Goodyear. Voilà. Ah, oh, je suis pas prêt, connard, je bois un coup. Pas mal en Goodyear. D'accord. mille pour 20 000, 24 000 même. Ouais, vas-y. Allez. C'est cadeau. C'est cadeau, ça passe, on n'en pose plus. Échanger de la peinture, terminer 3 épreuves rallye raid. Ouais, d'accord. Putain, j'ai presque 4 millions de pognon. Faudra peut-être que je dépense le pognon que j'ai, ou je sais pas. Il n'y a même pas de succès, de toute façon j'ai atteint les 1000 G, c'est... Land Rush. En WS Auto. Ah bah oui, encore ça. Ouais, pff. Ouais, on va le changer de couleur, il est beau avec des jantes roses. Les devs de CD Projekt Red ont dit 200 heures pour le platiner, ils ont clairement survendu le truc, un peu comme d'autres features dans le jeu. Allez lire notre test, regardez notre vidéo, et ben, je dirais plutôt 70-80 heures pour full platiner. Pour les gens qui critiquent le jeu à cause des bugs, n'oubliez pas que le jeu vient d'une entreprise inde. Inde? C'est pas indien, CD Projekt. Ils ont mis seulement un mois à le développer de A à Z, enfin qu'ils ne se foutent pas ouvertement de ma gueule. Des clients changeant la vente. C'est une blague en fait. Ouais, d'accord. Je pense que c'est pour contre. D'accord. Indépendant.
ça a l'air de se faire. Oui, un pour indépendant. Ah, ouais, d'accord. Peut-être, oui. C'est peut-être ça, mais j'ai l'impression que c'était une blague ce qu'il disait, parce que... Avec d'autres trucs qu'il racontait, là, qu'il a été développé en un an, ce qui n'est pas du tout le cas. Je pense que c'était pour essayer de relativiser les bugs dans CD Projekt, là, enfin, dans Cyberpunk, qui sont atroces. Oh, il y a 5 tours encore, oh, vous faites chier les mecs. En plus, c'est trop dur. Hein. Voilà, ça c'est la difficulté. Au cas où, hein. Très difficile. Très difficile. Ah oui, très difficile. Oh là là, ouh. Je les atomise. Ça fait 5 ans qu'il est en dev, ouais, ça doit faire ça, peut-être plus, même. Je sais pas si c'est pas 6 ou 7. Ah ouais, t'as vu comment je galère? Vache. Je sais pas encore si je vais gagner, hein. Regarde, je vais passer en dessous des autres. J'ai encore de l'avance, quoi. Très difficile, hein. Oh là là. Heureusement, la difficulté est constante, hein. Allez, tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
On va voir combien de secondes j'ai d'avance. Ça m'intéresse. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Hein. Ce jeu, j'ai l'impression que c'est facile à condition que tu ne fasses pas d'erreur. Déjà, si tu fais une erreur, généralement, c'est foutu. Généralement. Mais il y a des moments où le jeu est plus facile qu'à d'autres. Il y a des véhicules qui sont plus faciles que d'autres, et surtout, la LIA est bien emmerdée puisqu'elle a le même véhicule que moi obligatoirement. Et quand elle a un véhicule qui est un peu plus haut que le mien, bah forcément, elle m'éclate. Voilà. Nous avons 23 secondes d'avance. Oh, c'est pas grand chose, 23 secondes d'avance en très difficile sur 5 tours, ça fait même pas 5 secondes par tour. C'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas énorme. C'est pas grand chose. Mais l'IA est constante, hein, la difficulté, oui, tout le long de la carrière, elle est constante. C'est jeuxvideo.com qui l'a dit, donc il doit avoir raison. Hein. Ah, nouveau sticker, super. Bon, elle disait quoi? Pour les gens qui critiquent le jeu à cause des bugs, n'oubliez pas que le jeu vient d'une entreprise indé, on va dire, qu'ils ont mis seulement un mois à le développer, bon, d'accord, de A à Z, et enfin qu'ils ne se foutent pas ouvertement de la gueule des clients en changeant la date de sortie. Oui, d'accord, c'est full what the fuck, quoi. Ah, ma course préférée. On va peut-être essayer de se prendre une petite 3-6. Ouais, non, on va rester là-dedans. On va peut-être essayer une petite 3-6, une Clio. Mon Dieu. C'est vrai que j'avais fait ça pour une vidéo. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, tuez-moi. Oh, mon Dieu. Ah, vous méritez. Vous méritez que je la prenne, c'est tout. Je viens d'apprendre que dans Cyberpunk, on peut changer la taille du Geg et des Zboob, mais pas la taille et la corpulence de son perso. On voit les priorités chez CD Projekt. Chaque veine que vous rajouterez sur la de votre perso dans Cyberpunk, c'est une semaine de congé d'un employé de CD Projekt qui saute. Ah là là. Je vois tellement pas l'intérêt de prendre des critiques comme ça avant le patch Day One à chaud après avoir fini le jeu et en plus d'avoir le culot de dire d'annuler les préco. Bah ouais, mais en même temps, le jeu est pourri. Le jeu mérite pas sa préco. Hein. J'ai pécho de WRC9 aujourd'hui. Ah. Bon, j'ai eu 8 gratos, je crois, dans le Game Pass ou dans le Gold. Voilà, donc là, il y a la différence entre une course où on a la même voiture et une course où on a une voiture trop basse pour gagner. Voilà. À mon avis, là, ça va pas être possible de gagner, je pense. Voilà, surtout quand t'as des connards d'IA qui ne prennent même pas les virages correctement et qui font qu'un truc s'est éclaté. Oui, la Clio explose une 306. Oui, mais bien sûr. Oui, vas-y, pour toi tous les murs, vas-y. J'ai juste envie de péter ma manette, en fait. Quand je vois ça, j'en peux plus. J'en peux plus de voir des IA qui font même pas en sorte de prendre leur virage correctement. Oh, mais elle est codée avec le cul, cette IA, mais... Et je vais en faire une comme dans la vraie vie. Je crois qu'on a compris de quoi tu parlais. Ouais, d'accord. Voilà, je tourne pas, je suis au taquet. Hein. Je vais faire ce que je veux, les IA, elles passent. Hein. Elles passent, elles gagnent, elles... Eh, le caillou magique. Bah oui.
Le jeu s'est dit, on met un caillou magique. On met un caillou magique. Dans le virage, ça va faire chier tous les joueurs. Ça va être génial. Ça va être génial. Les IA, elles vont le péter. Elles vont rien en avoir à secouer. Par contre, le joueur, mais il va partir sur la lune. Il va être heureux. Il va avoir le sourire aux lèvres. Ça va être génial. Ça va être absolument génial. Voilà. Il y a personne derrière. Non. Ils sont tous devant. Il n'y a pas de souci. Hein. Même ceux qui ont la même voiture que toi. Ils t'éclatent comme si tu n'existais pas. Il n'y a pas de problème. Une IA, vraiment, une difficulté constante. Hein. Jeuxvideo.com l'a dit. Hein. Constante. Sauf qu'il faut avoir la meilleure voiture de chaque catégorie. Sinon, bah, tu te fais déchirer. Mais avec le sourire, c'est ça le petit côté Codemaster. Voilà, la Clio qui m'explose, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une traction? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec une traction, sérieux? Qu'est-ce que tu veux que je foute contre des IA cheatés en 4 roues motrices avec une traction de merde? Voilà, c'est bien. Ah oui, c'est l'arrière qui tape, excusez-moi. J'avais oublié de frapper. Voilà, va te faire enculer. Le bout dans ma chaussette, ouais, c'est ça, ouais. Allez, on va reprendre une... Ouais, allez, peut-être celle-là. J'ai gagné une peinture ou pas, non? Ouais, allez, on va changer. Putain, elle est bien, la Sparco, là. Ah non, elle avait l'air bien, excusez-moi. Ouais, elle avait l'air bien. Pardon, j'ai fait une erreur de langage. Elle avait l'air bien. Gros, faut arrêter de répéter cette excuse en boucle. C'est à CD Projekt de finir le jeu fini en temps et en heure aux testeurs. Le patch correctif est dispo depuis plusieurs jours. Les problèmes soulevés par Exerve vont bien au-delà des bugs qui seront pas réglés. Ouais, c'est clair. Dites-vous que toute l'équipe de CD Projekt Red a fait des heures sup pas payées pendant un an et demi pour sortir un jeu ultra buggé. Ça doit faire mal aux familles des développeurs. Ouais, c'est pas faux. Putain. Pff, ouais. Je trouvais que les trailers de Cyberpunk manquaient un peu d'identité dans l'univers et l'écriture. Il n'y avait pas ce petit je ne sais quoi différenciant des autres œuvres Cyberpunk quand soudain, il y a des gods partout. Bah ouais. Ah ouais, c'est ça qui est la petite touche. La petite touche masculine qui fait que voilà. Voilà. Les tractions finissent à l'arrière de la course, sauf la Clio là, hein, qui est craquée. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ah oui, ça va tout de suite mieux quand on a une voiture qui fait le poids. Hein. Oui, t'arrives à prendre l'intérieur, tu m'étonnes. Voilà, on va pouvoir discuter. Voilà, 3 virages et je suis premier. C'est là qu'on voit la différence entre une bonne bagnole et une bagnole bah, qui n'a pas sa place. Qui n'a pas sa place dans cette catégorie. C'est que ça suit derrière. Ça cheat, mais ça suit. Hein. Ouais. Thank you.
Bon, bah ça va se faire. Quand on a la bonne voiture. Ça va tout de suite mieux quand on a la bonne bagnole. Et voilà. Tac, ça c'est fait. C'était qui l'autre jour qui parlait de cyberpunk? C'était Chris Liberty, je crois. Je sais pas si... 8 ans sortait le tout premier teaser. 8 ans sortait le tout premier teaser de teaser trailer de cyberpunk. 8 ans. 8 ans, c'était. C'est chaud, quand même. Alors, ça fait combien de temps que je joue? Ça fait à peu près une heure et quart, 1h20. Ah, mon dieu, sprint. Allez, on va se faire la dernière épreuve de sprint. Ça risque d'être long et chiant, mais on va essayer de la faire. Ah, même avec le patch Day One, en fait, il y a des bugs. Ah ouais. Ah ouais, un patch de 50 gigas sur PC. Ah ouais. Ah ouais, ça picote quand même. Ah, ça picote. C'est des bombes, les mitivos. Ouais, bon, après... Les 4 roues motrices, hein. Tu prends une 306, t'as envie de souffrir, quoi. C'est comme faire cette catégorie-là en très difficile, hein. C'est que t'es vraiment trop con et t'as envie de souffrir, hein, mais... Voilà. Voilà, regarde les missiles Scud qui t'envoient dans le cul, les mecs. Ils savent même pas comment ils font, hein. Ils savent même pas comment ils font, les mecs. Ils arrivent à te foncer dans le cul, ils s'en tapent les couilles par terre, mais... Trois tours cette fois. C'est un petit peu moins long, mais c'est toujours aussi merdique. Ah, c'est gentil la violette qui m'a envoyé dans le mur. Voilà, moi le mur, ça fait ça. Voilà, le mur, ça fait ça, moi. Voilà, le mur, moi, moi je l'ai dans le cul, moi, le mur.
Ah, là, le mur, lui, il a réussi à s'en détacher en 2/10. Allez, va te faire enculer. C'est bien. C'est bien avec votre course de merde. Alors, il paraît que dans un patch qui arrive, ils vont un peu améliorer le gameplay. Waouh, mais c'est trop gentil. Mais combien il faut qu'on vous paye pour avoir ça? Mais dites-le qu'on paye pour jouer à cette merde. Dites-le, les gars. Dites-le, les mecs de chez Codemaster. Dites-le, combien est-ce qu'on doit payer pour avoir la chance d'avoir un gameplay correct? C'est incroyable. Et encore, ils ont dit un peu, j'ai l'impression. Donc, ça va être un peu moins de la merde, en fait. Ça va toujours être de la merde, juste un peu moins. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tout le monde déteste cette catégorie. Tout le monde dit que c'est de la merde. Et les mecs, ils disent, on va un peu l'améliorer dans le prochain patch où on n'a toujours pas de date. Hein, par contre... Donc, vous irez vous faire voir. Ah, t'as réussi à me gratter, toi. T'es balèze. Hein. T'es balèze parce que j'allais plus vite que vous. Hein. Non, t'es balèze. Hein. T'es balèze. On applaudit 2 secondes, t'es balèze. Hein. Non, t'es balèze. J'étais en pointe, là, tu pouvais pas me rattraper. Mais c'est pas grave. Vas-y. Fais le cake, tout ça, le son. On sait très bien que le jeu, là, tout le monde accélère plus vite que moi. Ouais, vas-y, bourre-moi, sale pute de merde de violette de mes couilles, là. Putain. Ah non, Codemaster, ils ont bouffé Grid, ils ont bouffé maintenant Dirt. Mais bon, ils peuvent continuer, hein. Ils vont peut-être bientôt bouffer F1, j'en sais rien. Après, c'est peut-être pas tout à fait développé par les mêmes personnes, vu que c'est des types de trucs un peu différents. C'est très gentil, la violette. Très très gentil. Lui par contre ne part pas dans le mur. Non. Bah non. Ah par contre on m'envoie dans le mur. Oui bah oui c'est la petite subtilité. C'est le bonus. Bah oui. Oui moi je voulais aller à gauche. Ah pas de bol j'ai pas le droit. Excusez-moi. Je recommence. J'ai le droit ça c'est bon. C'est bon. J'ai le droit d'aller me faire mettre. C'est bien. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Ils auraient pu te dire non tu recommences pas. Bah non. Tu perds et puis tu reviendras après. Hein. Voilà. C'est bien. Bloquez-moi comme des gros enculés. Prenez toute la piste, n'avancez pas quand je suis derrière et quand je suis devant, faites du 400 à l'heure, c'est pas, y a pas de problème. Les tentatives d'attentat quand même, c'est beau, hein, les mecs ils te doublent, ils savent pas comment ils font. Hein. Regarde-les sur la mini-carte, ils prennent l'intérieur, ces enculés. Histoire de bien être sûr de me planter. Oh, c'était beau. Je l'ai vu, l'autre, il était à l'intérieur complet, le mec. Il pouvait pas passer. Il pouvait pas. Oh, mon Dieu. Quel bâtard. Allez, on fait ça et puis on recommence une autre vidéo. Allez, montre-moi, qu'est-ce que j'ai eu en récompense de merde. C'est bien. Waouh, mais ça monte trop vite. C'est bon, il me reste encore 12 sponsors à monter comme ça, c'est pas... Ford Escort, waouh, trop bien. Oh, trop beau. Oh oui, c'est trop bien. Oh, j'ai hâte de la faire de la merde avec ça. Allez, on coupe.